Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un petit coup de soleil. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai déménagé en Grèce. Comme je vous annonce ça, j'ai déménagé en Grèce pour environ 6 mois. Et je suis arrivée mercredi, donc il y a 3-4 jours. Là on est dimanche, je me suis laissé un peu de temps pour me reposer, pour m'acclimater, etc. Et en fait ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer à faire une série de vlogs que je vais sortir, je pense, tous les dimanches. Je vais sortir un vlog de ma semaine en Grèce. Donc là on a encore 3 jours jusqu'à mercredi du coup de quarantaine. You're trying too hard, and even if you hit it correctly, it won't fly. Yeah. Oh! C'est listo. Oh, c'est pétard là! Oh, you see? You got it? You see? Yes! No, no. Oh! Oh! You gotta go like that, Enzo. Arm run. Guarda, c'è il pezzo nero. Quello nero lo so io per molto. Tipo un'insalata fatta tutta di prezzemolo. Là, je suis en train de chercher des plages pour les touristes. Ça, elle est magnifique. Enzo à côté, regardez ce qu'il fait. Il joue à des jeux sur son téléphone. C'est juste là, balancer là. Du coup, on va marcher. Il fait hyper moche, donc j'espère qu'il va pas nous pleuvoir dessus. Là, je vous montre la maison si vous voulez de dehors. Je vous ferai un tour de la maison si vous voulez cette semaine. Là c'est l'entrée de la maison, là il y a un truc pour mettre la voiture, bon on n'a pas de voiture pour le moment. Et derrière la piscine et tout, je vous ferai un tour. Et du coup autour il y a plein de petites maisons qui ressemblent de ouf à ça. Regardez, en gros, Enzo quand il est allé courir, il est passé par la route et il a mis genre 10 minutes à y aller. Et là, ils ont voulu prendre un raccourci et on galère. Il y a des picots qui nous rentrent dans les jambes, on est dans le désert. On a retrouvé la route, mais je me suis égratignée de partout. Mais j'ai pas posé l'appareil par terre. Pourquoi? Fais-moi confiance. Nine, regarde. Mais c'est pourri comme ça, putain mais... Frère, alors que je suis le boss, tu me fais pas confiance. J'en reviens pas de ça. Ta gueule. Eh oh, c'est filmé, hein. Genre, j'ai montré ça à ma mère. Mais montre, elle va dire, putain, elle a raison, putain. Mais pourquoi t'as pas mis dans les trucs? À la file indienne. Putain, la vue elle est magnifique, mais je pense qu'avec le soleil ça doit être 10 fois plus beau. Moi, il faisait beau. Oh, je parle. Oh, vraiment rien à foutre. Alors, vraiment rien à foutre. Bon, du coup, regardez où Enzo il nous fait rentrer dans un truc privé. Genre, il a ouvert le truc, il a dit oh, c'est pas grave. You can see the goat just next to the beach because they love the sand. Come on. Be careful and watch out of the rocks because you can broke your leg. Regardez les gars, on doit grimper tout ça pour aller dans la petite grotte là. C'est horrible. Enzo il a dit c'est Pékin Express. C'est bancal hein.
quel homme, Enzo. Enzo est en train de regarder un tuto pour ouvrir la grenade. On compte sur toi. Compte crash test parce que j'ai jamais testé les grenades. C'est un fail. Je suis sûre que c'est hyper acide. Non, pas tout. Si, si, fais-moi confiance, fais-moi confiance, t'en mets pas qu'une. T'as bien? Donc du coup les amis, là on est lundi, une nouvelle semaine commence. Ça fait 4-5 jours qu'on est ici. Et là du coup je dois tourner une petite story pour la marque lunette Key Australia. Et je vais me mettre dehors et je vais filmer ça. De lunettes, vous avez été hyper nombreux à me demander d'où venaient mes lunettes. MD, blablabla. Oh putain, tu vois ça, je déteste. Et voilà, bah, j'ai ramené que ça en Grèce du coup. Bon, du coup, je filme pas beaucoup aujourd'hui parce qu'on n'a rien fait à part travailler de nouveau. Là, on vient de manger, on a mangé des fruits de mer et du poisson, c'était grave grave bon. Et après, on va faire des petits pancakes. Alors là, le ciel est un peu bleu, mais il y a un peu des nuages, il fait pas très chaud. Mais le ciel est bleu au moins. Bon, du coup, les amis, là, il est 17h10. Et on va faire un petit tour, on va se balader. On a pris la petite chienne. En fait là on va aller à un café, ça s'appelle le caveau, ça s'appelle le pavot café. Et en fait c'est genre dans les hauteurs, il y a une vue de ouf sur la mer. Là c'est dommage parce que bah il n'y a rien qui est ouvert vu qu'on est en confinement. C'est ouf les gars. Regardez. On voit toute la mer. On va aller faire un petit jacuzzi. Bon, on vient de manger des souvlaki. C'est comme des donneurs un peu grecs. En fait, j'ai oublié de vous filmer parce que j'avais trop faim. Genre, on a commandé hyper tard, on a mangé là à 22h. Donc voilà, maintenant j'ai bien mangé. On va se poser un peu devant l'ordi et on va dormir. Denzo aujourd'hui, il a 20 ans, c'est un grand garçon. Aïe! Là il est en train de travailler un peu. Ses parents sont allés chercher une voiture de location. Ils vont faire les courses et après on va sortir. Enfin, il y a plus de quarantaine, on a le droit de sortir. Donc là je me prépare, ça fait trop du bien de se préparer. Sinon je vous mets un petit extrait parce que son beau-père a filmé, mais j'avais fait une vidéo pour Enzo, pour son anniv, genre j'avais demandé à ses potes et sa famille de m'envoyer des photos de lui quand il était petit, des affiches et tout. C'est trop beau. Yeah, c'est beau.
Qu'est-ce qu'il y a, Enzo? T'as supprimé? Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. Père, je t'en supplie, s'il y a pas que la tête de ma mère, j'arrête. My bestie and your bestie, sit down by the fire. Okay, here we have a little game. It's a little bar game to see how well you can do things. All right, watch this. No magic, the hands are normal. With three movements, we're gonna do one, two, three. They all have to face up. Go for it. No, they... I like it! What? No, it's good, yeah. They have to. Look. One, two times. Two, three. They all have to face up. Okay. But it was not like this. Try. It was like this. Show me. One, two, three. Show me again. Nice. Yeah. Bon, du coup, les amis, là on est jeudi. Regardez l'autre qui l'a fait derrière. On va accompagner Yanis chez le notaire et du coup, comme ça, on va faire un petit tour de la ville. Il va nous montrer un peu et aussi, il faut absolument qu'on trouve un logement parce que là, dans 3 semaines, on n'a plus cette maison là et on aura un truc pour tous les deux à Enzo. Oh, comme t'es beau! C'est bien, hein? Ouais, grave. Oh, regardez-moi ce beau gosse. Yo, moi c'est Francis Cabrel. Du coup, c'est le premier vlog, donc je vous présente un peu tout le monde avec qui on est. Donc il y a Enzo. Il y a sa maman. Il y a le chéri à sa maman. Et il y a le fils à son chéri. Tête parce que je travaille depuis ce matin. Là il est quelle heure? Il est 13h et je travaille depuis genre 10h30, 11h. Ce que je suis en train de faire, c'est trop intéressant. Enfin moi j'adore. Je suis en train de contacter tous les influenceurs qui pourraient venir en voyage à Rhodes.
D'ailleurs, hein, vous inquiétez pas, la Grèce sera ouverte pour tout le monde à partir de mai. On l'a appris cette semaine. Et du coup, vraiment, si vous êtes intéressés, on fait des packaging de voyage, mais genre de folie, avec plein de choses, plein d'activités et tout. De toute façon, je vous en parlerai très vite, mais si vous êtes chaud à venir à Rhodes cet été, même pour qu'on se voit, qu'on passe des petits moments ensemble, qu'on fasse des activités ensemble et tout, moi, je m'occuperai de toute façon des Français et tout. Là, je suis en train de contacter les influenceurs pour qu'ils promouvoient l'île. Donc c'est trop intéressant parce que je parle avec plein d'influenceurs, je regarde à qui ils aimeraient venir, quand ils aimeraient venir, etc. Et franchement, je suis trop intéressée, genre j'ai un petit tableau où j'écris tout, je suis en contact avec des agences qui aimeraient faire des voyages avec tous leurs influenceurs et tout. Franchement, ça va être trop cool. Et du coup, par exemple, j'écris les mails que j'envoie aux influenceurs et là, Enzo, du coup, est en train de traduire un mail en italien pour l'envoyer à des influenceurs italiens. Il va traduire en anglais pour l'envoyer à des influenceurs anglais. Totalement en train de se balader dans la ville et en train de regarder des apparts qui pourraient nous plaire, genre juste des balcons, parce qu'on savait pas du tout où prendre notre appart. Donc là, c'est recherche d'appart à fond.